Bonjour et bienvenue dans le calendrier de la... Nous sommes ici pour rendre hommage à Billy le lutin, tragiquement décédé lorsque son marteau, qu'il tenait du haut de ses 80 cm, a soudainement vu transformer en un éléphant de plusieurs tonnes, qui a bien sûr été très vite rappelé par la gravité, ce qui a creusé un trou dans le plancher et laissé de Billy quelques restes difficilement... Nous sommes ici rassemblés pour rendre hommage à Billy le lutin. Ça vous intéresse? Super, ça m'évitera de m'outre-mettre. Ah merde, dommage. Nous sommes ici pour rendre hommage à Billy le lutin, tragiquement décédé lorsque son marteau, qu'il tenait du haut de ses 80 cm, s'est soudainement transformé en éléphant de plusieurs tonnes. Que bien sûr, Bon, c'est fini, oui! Parce qu'il ne peut s'empêcher de plancher... De plancher? Oui. On planche très fort. Autant qu'il y a quelque chose, vraiment, au fond, qu'on devrait sauvegarder et continuer à supporter. Et j'ai oublié ma phrase. Désolé. Self-control zen, comme ça. Ça va. Je suis désolé d'avoir coupé, je pensais honnêtement qu'en prendre une à 9, ça nous aiderait quoi. Oh. Pense à des chatons morts. Oh ouais, c'est trop bien les chatons morts. Bon, je viens de vérifier dans mon manuel des castors juniors. Normalement, aujourd'hui sort aux États-Unis un petit film de comédie matinée d'horreur sur le thème de Noël, baptisé Krampus. J'ai oublié la suite. Oh, c'est ballon. Quoique, c'est dans la série Ren and Stimpy que Dan Slott a fait ses premières armes sur Spider. Ah putain, j'ai un problème. Spider-Man. Là, c'est le test pour la balance des blancs. Et voici, cher public, une indication sur la vidéo qui était en train d'être tournée en ce même temps. Non, montée. Pas tournée. C'est vrai. En plus, de toute façon, on t'entend pas parce que le micro, il est là. C'est vrai. Du coup, on t'entend jamais. On n'entend jamais. Haha. Il est branché. Non, justement, le micro n'est pas branché. Donc c'est moi qu'on a entendu, j'ai pas dit Tom. Top 10 est donc une série scénarisée par Alan Moore et illustrée par Jen Hart. Cette série nous relate. Top 10 est donc une série scénarisée par Alan Moore et illustrée par Jen. Cette faute envers moi était la dernière. Non. Si vous êtes un néophyte des comics, vous aurez ici à... Vous aurez droit à une intrigue policière très bien ficelée et on tout le monde. Pardon. Now you are mine, mine, mine. Alors, c'est fini. Mais non, mais toi, tu t'es amusé, moi aussi, je te amusais. Arrête, s'il te plaît. Superman. Superman, peut-être. Yeah.
Ton décor est pourri. Nous sommes ici rassemblés pour rendre hommage à Billy le lutin, tragiquement décédé lorsque son C'était pas bon. 3, 4. Rodolphe le Red. J'ai vu ton regard, ça m'a arrêté en fait. Non, reste là. Je regarde, je vais regarder. 3, 4. Rodolphe le Red aux jambes pétées. On lui a cassé le nez. Il est rouge de sang. Et Smack s'est calmé maintenant. Attends, il faut que je la refasse.